Tac, tac, tac. Je vais m'entendre. Ah non, c'est la pub. Mets-lui un manteau aussi à lui. Yeah, I'm here. Comment? Sur le porte-manteau. Hop, il y a Monsieur Bruno qui va gérer le baby boy. Et moi, je vais vous montrer un super jeu en vitesse, le jeu sur lequel j'étais. Et après, j'attaque Killing Floor 2. Du coup, je vous montre un super jeu import US que je vous déconseille d'acheter. Sauf si, comme moi, vous êtes un peu barré. Ouais, c'est bon, je m'entends, c'est bon, nickel. Donc voilà, donc je vous montre juste vite fait le petit jeu Osir The Unseal Simulator qui est passionnant. Et après, je vais sur Killing Floor que j'ai jamais testé. I am your father. Donc, Unseal Simulator, comme son nom l'indique, il faut. Do you feel lucky? Les adversaires. Champ. Donc voilà, oh, j'aurais pu montrer quand même quelques personnages. Pas énormément, mais bon. Hop, voici un petit tour des personnages. Donc moi j'ai pris Dieu pour moi et tiens on va prendre Mrs. Maggie pour moi. You can call me Mrs. Maggie. Ensuite on a juste quelques petits niveaux et encore j'en ai débloqué pas mal. Donc 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Et voilà, welcome, et donc on est parti pour child. Faire des phrases pour insulter oh, les adversaires. Hello there. Are you John Lennon? Relou. I don't know that person, but I can answer any question of yours. One question and only et one puis, I will answer. Même pour not les chasseurs two, de trophées, c'est three, un carnage parce que exactly. C'est super aléatoire right, et you, c'est sir, pas difficile. Always mais si t'as pas de chance, t'as pas de chance. Are, maybe, et en l'occurrence, no, j'ai pas de chance pour les trophées. Behold, donc, il faut construire des phrases particulières, donc voilà. Par exemple, on peut lui dire votre père. Ça, c'est moi qui joue, donc elle va passer. N'a jamais regardé Star Wars, tiens. Et ton oncle adoré. Alors, est stylé, je sais pas ce que ça veut dire, donc avis aux anglophones. Donc... Voilà. Et on va rajouter un. Et le sens de la vie. Voilà, on peut faire des phrases qui ne veulent rien dire d'ailleurs. Ouais, par contre, il faut faire attention. Parce qu'il faut quand même que la construction. La syntaxe de la phrase soit bonne. Parce que si la syntaxe de la phrase est mauvaise, tu prends 3 points de pénalité à chaque fois que ta construction est mauvaise. Donc voilà. Donc je vais la tuer en vitesse. Hop là! Et donc, je vous montre ce magnifique jeu que je vous recommande chaudement. Alors, en fait, la construction, il faut juste mettre sujet, verbe et complément s'il y a besoin. Et après, end, tu peux remettre n'importe quelle phrase. Par exemple, si je commence par un verbe, admire picture off. Voilà, learn grammar, 3 points dans les dents. Alors, un sujet, this conversation, donc cette conversation est très chiante. Tout à fait. Et cette conversation secrètement aime la vie après la mort. Je pense que c'est Afterlife. Ah ouais, non mais ce jeu il est horrible. Hein. Horrible. Et tu ne peux le nier. Voilà. This conversation is very naughty and secretly adores the afterlife and you can't non, deny it. En fait sur ce jeu il faut dire 66 fois le mot Satan. Le mot Satan apparaît à peu près une fois toutes les heures. Donc voilà. Donc, ta maison. Ouais, la phrase n'a rien à dire, mais la syntaxe était bonne. Donc ça va. Donc j'ai mis quoi? Ta maison. Alors, ta maison. Was defeated by, tiens. Donc ta maison a été détruite ou defeated, ouais, je sais pas trop. Par ta tête. Et ta maison donc raconte des choses sales au funérail. Et ta maison toujours on agit comme ta mère.
Et c'est prouvé scientifiquement. Voilà, une phrase qui veut rien dire. Your house was defeated by your face and tells dirty jokes at funerals and acts like your mother. And it's scientifically proven. C'était l'âge. Du coup, j'ai un petit peu plus de points. Mais oui, je parle très bien anglais, mon bio. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire de méchant ? Le sens de la vie. Travaille avec ton sens du style, tiens, par exemple, ce qui ne veut absolument rien dire. And aime je sais pas quoi dans les parcs. Et j'ai plus de « et », donc je valide. The meaning of life worked with your sense of style and likes to flash in the park. Ah oh, j'ai plus de points. Alors, la vie après la mort, très bien. Après le pass, on s'en fiche. Aime secrètement ton pays. Et est mort à cause de ta mère. Très bien. Et ressemble à ta sœur. Et ne peut pas acheter un machin aux enfers. Et voilà, H et si, je valide, c'est une phrase correcte. The afterlife secretly adores your country and died because of your mother and looks like your sister and cannot buy a stairway to heaven. Ouais, ça tourne mal parce que. Donc voilà. Is that it? That? Well, if you're on the lower side. Mais c'est un petit jeu sympa quand on regarde une série ou quand on regarde la télé. Pas trop besoin de se prendre la tête. Bon allez, let's go sur Killing Floor. Tac, 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 il est où mon Killing Floor? In there.